Salutations, je vous présente The Little Hacker. Hacker est un terme anglo-saxon utilisé dans les pays comme l'Angleterre ou l'Irlande qui désigne une unité de mesure de superficie. C'est l'équivalent des mètres carrés ou des hectares pour labourer un champ. Alors, ce jeu est un jeu d'aventure point and click, pointé et cliqué au graphisme dessin animé développé par Peter Game Studio avec Charles Cécile et publié par Cuve Digital. Il est sorti sur PlayStation 4 le 13 décembre 2016 au prix de 13 euros. Il est actuellement tout de suite en solde en réduction à 3,89 €. Donc, si vous souhaitez obtenir un platine rapide et pas cher, alors allez-y et récupérez-le maintenant au prix de moins de 4 euros sur le PlayStation Store. Ce jeu raconte l'histoire d'Hayden et de sa fille Lily dans l'Irlande des années 50. Hayden enquête sur la disparition de son père après avoir trouvé des indices quand il se retrouve transporté dans un monde étrange. Toujours partante pour l'aventure, sa fille Lily se lance à sa poursuite pour le retrouver. Ce jeu contenant un total de 28 trophées, 5 en or, 15 en argent et 7 en bronze, il y aura 13 trophées qui sont liés à l'histoire et 14 trophées manquables. Le jeu ne dispose d'aucun menu de chapitre, il sera donc fortement préférable de sauvegarder la partie sur le cloud de Sony, le stockage en ligne ou bien une clé USB à deux points clé du jeu. Car certains trophées vous demanderont de réussir du premier coup en moins de 4 secondes. Or, si vous loupez, vous devrez recommencer le jeu du début pour retenter votre chance. Il n'y a rien de mieux que de sauvegarder avant de faire l'action. Ce sera même primordial si vous voulez finir le jeu en une fois. Il y a un trophée qui se nomme Petit Speedrun. Il nous demandera de finir le jeu en moins de 1 heure. Pas d'inquiétude, il sera possible de mettre le jeu en pause lors de votre partie. Cela arrêtera aussitôt le compteur de ce trophée. Donc vous pouvez mettre simplement le jeu en pause à tout moment pour bien comprendre ce que vous devriez faire avant de faire l'action pour ne pas gêner votre speedrun et terminer le plus rapidement possible en moins de 1 heure. Il est aussi important de savoir qu'il y a deux trophées qui nous demanderont de jamais utiliser d'indices et de soluces que propose le jeu dans le menu avec la touche triangle. Il y a une catégorie qui se nomme Notes. Il ne faudra jamais aller dans cet endroit. Donc soyez attentifs à ce guide et vous ne serez donc pas perdus. C'est déjà en français, on va lancer, on va faire nouvelle partie et on commence. Donc oui, donc je parlais des points de sauvegarde. Donc le jeu sauvegarde automatiquement. Il y a une espèce de petite vis en bas à gauche de couleur grise. Dès que vous l'apercevez, c'est que c'est en train de sauvegarder et ça écrase ce que vous étiez en train de faire il y a quelques secondes ou quelques minutes. Et à chaque fois que vous passez d'un écran à un autre, c'est-à-dire que vous passez d'une porte à une autre, d'une cinématique à une autre, il y a une sauvegarde qui se fera automatiquement. Donc comme il y a un trophée qui demande de réussir une action en moins de 4 secondes, c'est super court. Il faudra tout simplement sauvegarder sur le stockage en ligne. Il faudra tout simplement faire la touche PS. Après, quand vous êtes sur l'encadré du jeu, vous devrez appuyer sur Options. Et là, il y aura marqué fermer l'application ou bien télécharger en amont. Vous cliquerez sur télécharger en amont et vous auriez plus qu'à copier votre sauvegarde pour l'envoyer dans le stockage en ligne. Vous faites une copie et vous le déplacez pour la conserver au cas où vous loupez votre trophée. Vous pourrez revenir là où vous étiez avant de vous louper. Il y a Aiden, le personnage principal avec ses cheveux blonds, qui nous dit qu'elle ne va pas réveiller sa petite fille à gauche qui dort dans son petit lit. Et pour ça, on va récupérer la chemise qui est sur le dos du chien. Là, c'est à proximité, c'est accessible. On va récupérer le bâton qui est dans la bouche du chien. Dès qu'il se met à bâiller, vous pouvez le récupérer. Le bâton se met directement dans l'inventaire et l'inventaire s'ouvre à chaque fois que vous récupérez un objet. Donc voilà les fameuses notes, c'est juste ici. Hein. Donc n'allez jamais dedans. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement pour sauvegarder la partie. Donc là, on peut faire une sauvegarde et vous verrez tout en bas à gauche, il y aura une petite vis. Donc dès que vous voyez ça, faites attention, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le bâton, on va aller dans l'inventaire, triangle, le bâton, et on le pose sur le pantalon pour qu'il puisse aller récupérer son pantalon. Il vient de récupérer un sandwich, donc on va le sélectionner dans l'inventaire, sandwich, et on va le mettre sur le chien.
Maintenant que le chien sent mauvais de la bouche, la gueule, pardon, on va utiliser le bâton et on va le mettre sur le dos du chien pour qu'il puisse se décaler. Sa fille vient de sentir l'odeur, donc maintenant on va prendre le sandwich et on va le positionner sur le pull. On le jette, voilà. Le chien va le récupérer. Et de cette façon, on peut récupérer son vêtement. On n'a plus qu'à prendre le bâton et on le met sur le pull quand il ouvre bien la gueule. On le fait quand il se met à bâiller. Hop, quand il bâille, on le fait. Maintenant, il n'a plus qu'à mettre ses bottes et il est prêt pour quitter les lieux. On met les bottes. Voilà, donc là, cette petite partie vient de se finir. Il vient de dire que c'est le moment pour quitter les lieux. On interagit avec l'échelle. Au milieu, en bas. On va récupérer la cruche qui est derrière Hayden sur la table. On sélectionne. Donc je vais pousser un peu Hayden pour que vous voyez. Hop, il y a une cruche, on fait croix pour la prendre. Il vient de nous faire part qu'il a besoin d'eau, donc on va récupérer l'escabeau qui est ici, on appuie sur carré. Nous quittons maintenant les lieux, on passe la porte en appuyant sur rond. Et on va aller près de la pompe à eau qui est de couleur rouge un peu plus en bas. Et on va poser la cruche dessus. On sélectionne la cruche dans l'inventaire et on la pose sur la pompe. On appuie sur croix pour qu'il se mette à pomper, Aiden. Ça vient de se briser, donc il ne peut plus faire tomber l'eau. Donc il nous demande de trouver un objet lourd. On va dans l'inventaire et on prend la poignée et on va la positionner sur la porte de la cabane. Pour qu'il puisse l'ouvrir, il y a une fourche en bas, tout de suite par terre. On va récupérer cette fourche et ensuite on requitte les lieux. Donc on appuie sur quoi pour entrer dans la cabane. On récupère la fourche au sol et ensuite on quitte la cabane en appuyant sur rond. Hop, rond pour ramasser la fourche. Maintenant, on quitte les lieux, on appuie sur carré. Et on retourne près de la pompe à eau. Mais avant d'interagir avec la pompe, on va prendre la fourche dans l'inventaire et on va la poser sur l'espèce de souche, une espèce de bout de bois. Et on va donner un coup de marteau sur la pompe. Donc on fait utiliser le marteau, on sélectionne, hop. On récupère la cruche et on va retourner dans la maison. Croix pour récupérer la cruche, on ferme l'inventaire. À chaque fois que vous ramassez un objet, l'inventaire s'ouvre automatiquement. Donc maintenant, on retourne dans la maison. On va ressortir. En fait, on va aller près de la boîte à lettres, à l'extérieur, de l'autre côté, à l'entrée principale de la maison, du jardin. Donc là, on n'est que de passage. Hop, on appuie sur rond pour quitter les lieux. On va à la boîte à lettres et on récupère tout son contenu. Hop, on sélectionne, on appuie sur croix et on prend tout. Il vient de récupérer un colis pour son père. Son père s'appelle Arthur. Il y a un cristal à l'intérieur du carton. On va le prendre après. Donc c'est à cet instant présent que Hayden va se mettre à faire des recherches pour récupérer, retrouver son père qui a disparu.
Ina, c'est un personnage plutôt important. On va la rencontrer un peu après. Donc là, on interagit avec la garçon, on récupère le cristal. Et on va retourner maintenant dans la maison. On va entrer dans la première porte, la première chambre au rez-de-chaussée, qui est la chambre de son père à Aiden. Voilà, on entre la première porte à côté de l'échelle, on appuie sur rond. On va prendre le masque sur le lit. Donc là, on est dans la chambre de son père, Arthur. On récupère le masque, on appuie sur carré. On va tout simplement interagir avec l'entonnoir, on va appuyer sur triangle, l'inventaire, on prend la cruche d'eau et on la positionne sur le cercle en mouvement. Il vient de remplir l'entonnoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur l'inventaire, on prend le cristal et on le positionne dans son encoche. On fait rond et on interagit avec les deux compteurs qui sont ici à gauche. On va interagir avec celui du dessus, on va le mettre sur le chiffre 4. Le compteur du bas, on va le mettre sur 3. Comme ceci, il y a maintenant une formule qui vient d'apparaître. On va faire tomber un trophée. Pour faire tomber le trophée, il faut appuyer ici à l'extrémité, pareil à l'extrémité du bas. Et on fait une lettre L pour le trophée. Téléphone, maison. Maintenant, on va tout simplement faire un T à l'envers, ici. Hop. Et on interagit maintenant ici. Pour lancer la cinématique, il faut appuyer là, juste ici, là où il y a le curseur, j'appuie. Si vous n'appuyez pas sur ce bouton qui n'est pas coloré, mais il faut appuyer dessus quand même, qu'il y ait une cinématique. Maintenant, on quitte la chambre, on appuie sur rond. On va poser la cruche sur la table. Hop, il la pose tout seul. On va retourner dans la petite cabane, on appuie sur rond. On retourne dans le cabanon et on va allumer la lumière dans le cabanon tout de suite à gauche, une fois à l'intérieur. Donc là, on allume la lumière tout de suite à gauche, on appuie sur croix. On va aller tout au bout, il y a une étagère et il y a un objet en haut. Hein. On va récupérer cet objet. Continue à avancer, on récupère l'objet qui est en haut, on appuie sur rond, faut qu'il casse l'étagère pour pouvoir le récupérer. Donc c'est là où l'escabeau est important, on sélectionne l'escabeau dans l'inventaire et on le positionne ici, l'étagère cassée pour qu'il puisse récupérer l'objet en haut. Donc l'objet est tombé au sol, on n'oublie pas de la récupérer, hein. C'est important. On va récupérer tout de suite l'objet au sol à droite et ensuite on retournera dans la maison. On appuie sur rond. Voilà, donc maintenant on retourne dans la maison. Il va aller demander à Lily si elle a connaissance de cette formule qui danse. Si elle en a déjà entendu parler ou pas. On va récupérer tout de suite le masque parce que Lily est toujours en train de dormir, mais Aiden a envie de parler à sa fille, mais comme elle dort, il ne peut pas lui demander tout de suite. Donc on va la réveiller en appuyant sur triangle. On va mettre le masque et on va le
posé sur Dougal, le chien, pour l'effrayer et faire tomber un trophée en même temps. Hop là, chien naïf. Clélie n'est pas contente, elle vient de se faire réveiller par le chien. Maintenant, on va montrer la boîte. On appuie sur triangle, la boîte à énigmes, et on la positionne sur Lily pour qu'elle interagisse avec. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, petite séance humoristique, hein, sur quel pied danser, elle nous fait sa petite danse qui a un peu rien à voir avec ce qu'on lui demande. Maintenant, il y a un trophée, il va falloir réussir ce puzzle du premier coup pour le trophée. Donc, regardez bien ce que je vais faire. On va choisir cette encoche ici. Là. Hop. On appuie dessus. Maintenant, on prend celui qui est en haut. Celui-ci. Maintenant, on prend celui qui est en bas, ici. L'avant-dernier. Et on prend celui qui est tout en bas. Et la boîte s'ouvre et un trophée va tomber pour avoir réussi à résoudre le puzzle du premier coup sans nous tromper. Alors on prend la clé. Donc le trophée va pas tarder à arriver. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on retourne dans la cabane. On va tout simplement utiliser la clé dans la machine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait une grosse machine avec une porte qui s'est ouverte. Donc on va sélectionner la clé dans l'inventaire et l'interagir avec sa petite serrure qui est au milieu. Donc on fait triangle, clé et on la positionne ici. Hop, en haut. Bon, il faut faire vite. Il faut bien le trou de serrure, voilà, pour qu'il y ait bien marqué le terme pour que ça fonctionne. Et voilà, il est transporté dans un autre monde, sans le vouloir, le pauvre. Là, nous sommes sur la partie 5, j'appelle ça la partie 5 sur 15. On est encore un petit peu loin de la fin. Donc Lily vient de se lever, son papa a disparu, donc elle a très faim. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va interagir avec la table qui est derrière Lily. On va prendre le sachet de riz de couleur marron. Il a marqué Steel Cut. Celle-ci, on interagit ici, elle a le sac vide. Elle va se mettre en colère parce qu'il est vide et qu'elle a faim. Donc là, on va tout de suite sauvegarder. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut louper une scène qui va se dérouler. Donc on fait triangle. Et on va tout en bas. Il y a une petite vis, une espèce de vis à molette, hein. On appuie dessus et on fait sauvegarder. La partie tout en bas à gauche, ça va sauvegarder. Hop. Donc il y a un trophée qui vous demandera de faire très très vite. Pas tout de suite, mais donc la seconde action. Ou bien vous faites ça, vous faites tout simplement fermer le jeu, vous faites fermer l'application et vous allez ici télécharger en amont, télécharger les données sauvegardées et vous allez trouver la sauvegarde actuelle qu'on vient de faire tout de suite. Elle va se trouver dans la partie gauche, ouais, c'est ça, hein, le système de stockage à gauche et vous allez la déplacer, la télécharger en amont, la déplacer vers le stockage en ligne du cloud. Comme ça, ce que vous avez sauvegardé tout de suite, vous en avez fait une copie à droite. Et si, parce que dès que vous faites une action, ce jeu se met à sauvegarder en même pas 10 secondes, il sauvegarde tout ce que vous faites. Dès qu'il y a un trophée qui ne tombe pas, mais qu'il y a une action qui arrive, bah, vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc c'est très désagréable. Donc, vaut mieux sauvegarder et le mettre dans le stockage en ligne. Comme ça, si vous loupez votre action, le trophée est bloqué, ben vous revenez dessus. Allez, on retourne dans le jeu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va interagir avec la marmite qui est ici. Elle va le mettre sur le feu. Voilà, maintenant on va tout simplement demander à Douglas
Parce que ici, en fait, c'est y a une ficelle. On clique sur Dougal, sur le chien, et on va faire en sorte qu'il interagisse avec l'armoire ici. Voilà, il vient de déchirer le bout de ficelle qui bloque le placard. Qu'on va demander maintenant à Lily d'interagir avec l'armoire. Qu'elle va faire tomber l'étagère. Heureusement que le chien est là. Elle vient de récupérer une tasse. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, vous pouvez sauvegarder tout de suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, hop, parce que là, l'action, c'est maintenant que l'action commence. Donc, on fait sauvegarder. Tout en bas, il y a marqué une petite sauvegarde. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, il y a une action qui vous demande de faire vite en moins de 3 secondes. Vous allez devoir faire en sorte que le chien aille près de la porte pendant que Lily va interagir avec le Porygien sac en haut. Je ne sais pas si vous voyez le sac en haut, près de l'étagère, à côté de Triangle, il y a une espèce de sac. Et donc vous, quand vous allez demander à Douglas d'aller interagir avec la porte, vous allez glisser votre curseur pour qu'il aille très très vite en haut sur le Porridge, espèce de sac de riz. Et puis, bah, il faut faire vite parce que si vous êtes lent, vous bloquez le trophée, il va pas tomber, vous pouvez plus revenir en arrière. Et à ce stade du jeu, si vous n'avez pas sauvegardé, bah, c'est trop tard. Donc, je le répète, fermez le jeu, téléchargez en amont, copiez vers le stockage en ligne. Ensuite, vous relancez l'application, vous recontinuez, vous reprenez là où vous avez sauvegardé. Si c'est un petit peu avant, pas grave, vous reprenez quelques secondes avant le guide. Et puis voilà, donc on y va, on va commencer. Donc là, il va falloir être très très rapide. Doug, on va utiliser Doug sur la porte ici. Et tout de suite, je vais faire mettre le curseur tout en haut. Voilà, tout de suite j'y vais. Hop, le curseur, je me dépêche. Vite, 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 vite. Hop, j'interagis avec le sac à porridge. Et voilà, le trophée qui est manquable. En fait, si vous ne faites pas vite, Lily n'arrive pas à monter tout en haut. Elle tombe tout de suite et elle ne récupère pas le sac à porridge. Et donc, vous êtes en train de recommencer cette procédure 2 fois. Et donc, c'est pas possible puisque le trophée, il demande de réussir du premier coup. Donc, maintenant, on va interagir avec la table. Voilà, elle est en train de se préparer à manger comme une grande. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Là, c'est très important aussi. Il va falloir sauvegarder également. Il y a aussi un trophée manquable ici. Il va falloir, encore une fois, être extrêmement rapide en moins de 3 secondes. Donc, c'est vraiment prenant. Très embêtant ces trophées, de timing. J'aime pas du tout ce genre de trophée. Surtout quand il n'y a pas de chapitre. Donc là, regardez bien, il y a une sauvegarde qui va apparaître à gauche. Assurez-vous de réussir le trophée naïf avant de venir ici, bien sûr. Donc, on continue. Hop, on appuie tout de suite sur croix parce que sinon Hayden ne va pas se lever, il va rester la tête par terre comme ça pendant plusieurs minutes. Donc là, vous pouvez sauvegarder, c'est très important. Donc pour sauvegarder, on attend qu'il arrête de parler. Pour sauvegarder, on fait hop la petite clé, sauvegarder la partie. Donc là, il y a un trophée manquable et c'est le plus dur du jeu qui vous demande de réussir du premier coup. Donc là, j'ai sauvegardé. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites tout simplement fermer l'application. Une fois que vous avez fermé l'application, vous allez dans télécharger en amont. Vous copiez vos... Moi, je ne peux pas vous montrer parce que regardez, si je vous montre, il va me dire connexion à PlayStation Network, mais je suis en session invitée donc je n'ai pas de compte hein, dedans, ça n'existe pas, il n'y a pas de compte en session invitée. Donc je peux pas vous montrer vraiment. Donc vous allez dans télécharge en amont et la sauvegarde qu'on vient de faire à l'instant, vous la copiez, vous la déplacez dans le système du stockage en ligne de cloud. Bien sûr, il va falloir supprimer la précédente hein, en allant dans les paramètres de données. Et puis voilà, vous avez gardé une copie, comme ça, si vous loupez, vous vous ratez, parce qu'il va falloir réussir au moins de 3 secondes de faire l'action qu'on va faire tout de suite, dans quelques instants. Donc tout de suite, on entre, on fait croix. On va récupérer le chapeau de son père, Arthur, et on va récupérer le cristal bleu transparent. Donc on y va, on récupère le chapeau d'Arthur et le cristal.
Hop, l'inventaire nous montre qu'on a récupéré le chapeau. L'inventaire va s'ouvrir également pour nous montrer qu'on a récupéré le cristal. Donc là, c'est le moment le plus important. Attention, il va falloir être extrêmement rapide, c'est abusé. Vous avez que 3 secondes pour interagir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je me pose parce que le compteur tourne. Là, le compteur ne tourne plus quand on me pose. Donc, Idle va mettre le cristal dans l'enclos ici, en appuyant une fois, je crois que c'est carré, c'est ça? Carré, oui. Dès que je mettrai le cristal dedans, après, je dois rappuyer sur carré pour qu'il le récupère. Et je vais ensuite me positionner à côté dans l'enclos à droite. Mais avant ça, il va falloir faire inventaire, triangle. Mais c'est très très rapide et vous avez une espèce de bruit sonore qui vous dit qu'au bout de deux, si vous voyez qu'il a sonné 3 fois, c'est que c'est complètement mort, le trophée est loupé. Donc il ne faut certainement pas entendre le deuxième bip, ou c'est juste, hein, vous pouvez aller jusqu'au deuxième bip, mais il ne faut pas qu'il y ait une lumière très sombre qui apparaît. Allez, j'espère réussir du premier coup. Donc là, je fais vite, je vais tout de suite faire inventaire cristal et je vais le. Donc là, je vais. Donc j'y vais. Donc on appuie sur triangle, on prend la sphère, on la positionne dans son encoche. Ensuite, je la récupère tout de suite au plus vite, puisqu'il a fini. Vous avez 3 secondes, hein. Faut vraiment faire vite. Hop, je récupère, j'appuie sur triangle, je mets la sphère, hop, et voilà, je pense que j'ai réussi. Ça a été très rapide, je pense que c'est bon, ça va le faire. Voilà. J'ai eu le trophée, mais c'était juste, hein. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi. Vous avez que 3 secondes pour faire ça. Si vous avez complètement loupé, je suis désolée pour vous. J'espère que vous avez procédé à la sauvegarde quelques minutes avant d'arriver là pour pouvoir retenter votre chance plusieurs fois. Donc assurez-vous de faire une copie de votre sauvegarde avant de louper, bien sûr, pour pouvoir retenter plusieurs fois d'affilée. Donc, copiez-le vers le stockage en ligne du cloud pour être sûr de ne pas avoir à perdre votre sauvegarde. Parce qu'à chaque fois que vous avancez dans ce jeu, les sauvegardes s'écrasent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à droite. On va interagir ici. Il y a une espèce de clé. On appuie sur croix. Voilà, on appuie sur croix à nouveau pour regarder à l'intérieur. Hop, parfait. On va aller maintenant dans le trou à gauche. Il y a un peu de charbon au sol. Hop, on ferme. Donc je viens de récupérer une courroie. On va maintenant interagir avec le trou ici. Elle vient de récupérer un os. Elle va se mettre dans l'inventaire. Parfait, on a deux objets dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout à droite. Et on va interagir avec triangle. On prend la courroie et on la met sur la branche de l'arbre. On demande à Lily de s'asseoir sur l'espèce de corde. Donc on appuie sur carré pour qu'elle s'assoie. On va prendre l'os et on va le mettre sur le chien Dougal. C'est marrant. Voilà, cette petite cinématique maintenant, on n'a plus besoin de toucher à quoi que ce soit, on peut regarder ce qui se passe. Magasin de Lily. Voilà, donc là, il y a un trophée manquable et on va utiliser l'épée de Lily dans l'inventaire pour donner un coup sur le petit nain qui est ici. Il y a une espèce de nain de jardin. On prend inventaire, épée et on le met sur le nain de jardin démoniaque. Hop, elle vient de le casser, le trophée va tomber. Maintenant, on va rentrer dans la maison. Allez, on y va, on rentre. Donc là, on se retrouve avec Aiden.
Là, on va appuyer sur une orbe lumineuse pour créer un pont. Allez, on y va. On appuie, on interagit avec Croix. Hop, c'est parfait. On traverse. Très simple. On appuie sur quoi également? Et voilà, on n'a plus qu'à quitter les lieux maintenant. Très simple. On va se retrouver avec Lily. On va aller dans la chambre du grand-père, de son grand-père. On appuie sur rond. On va récupérer l'ours en peluche sur le lit tout de suite. Croix, on récupère la peluche. On va ensuite appuyer exactement 20 fois sur le bouton rouge au pied du lit. Il y a un bouton. Donc on y va. Elle ouvre le store, elle ferme le store. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, le trophée devrait tomber. Et le 20e, c'est parfait. On va maintenant quitter la chambre du grand-père et on va aller dans la cabane, le cabanon. Donc on quitte la maison, on va aller à l'extérieur, de l'autre côté du jardin, derrière le jardin, il y a la cabane. On y va, on va tout simplement mettre l'ours en peluche dans la machine. Allez, on y va, Croix. On met la peluche, on ouvre l'inventaire, nounours, on le met dans la machine à aventure. Hop, la petite peluche va disparaître, le trophée va tomber. Lily vient de comprendre que c'est là où tout le monde a disparu. Donc on va tout simplement récupérer un bout de papier qui est là. Il y a des papyrus. On appuie sur carré pour qu'elle puisse écrire un petit message pour son papa. On ne sait jamais s'il revient. On fait quoi? On prend le papier et on le met sur le chien pour qu'elle puisse écrire un petit message. Elle va le coller sur la tête du chien. Voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer dans la machine. Et elle disparaît. Elle part à l'aventure. Voilà, on se retrouve avec Aiden. Donc on continue avec les lumières à orbre. Ouais, et il est en train de se rendre compte qu'il y a des espèces de plantes bizarres et des créatures également, qu'on appuie sur croix.
don't see many like you. Who are you? Mare. Mare? No, just Mare. I'm not sure where I am. Can you help me get home? Maybe help each other? Come, sit. Voilà, donc c'est cet instant précis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on fait une sauvegarde. Hop, sauvegarder la partie. Et puis, bien sûr, vous sauvegardez également dans télécharger en amont vers le système en ligne de Sony, le cloud, ou bien vers une clé USB. Vous conservez votre sauvegarde actuelle tout de suite. Au fait, vous en faites une copie et vous la déplacez en sécurité. Parce que à chaque fois que vous faites une action sur ce jeu, bah, les sauvegardes sont écrasées et vous ne pourrez plus retenter votre chance de refaire tomber le trophée si vous n'avez pas fait une copie et vous ne l'avez pas déplacé dans le système du cloud de Sony. Bah, ce sera trop tard, vous devrez recommencer le jeu de zéro. Donc faites ceci, téléchargez en amont, envoyez votre système du stockage, tout sélectionner et le mettre en amont, comme ça vous l'avez en sécurité dans le système en ligne. Vous pourrez revenir en supprimant celle où vous avez loupé et retenter de la redéplacer. Donc voilà, on y va, on fait continuer. Mais je pense que vous allez réussir parce que c'est pas vraiment difficile. Vous avez peut-être 5 secondes, c'est largement assez pour interagir avec votre épée. Parce qu'il y a un monstre des mers ici. Voilà, tout de suite il y a un monstre et ce monstre il va attraper Lily et essayer de... Voilà, on le voit, il est là, il est dans l'eau, une espèce de crocodile. Donc tout de suite, on interagit avec Triangle. On prend l'épée et on la pose sur la lampe. Vous voyez, je me suis trompée et j'ai eu largement le temps pour le refaire. Voilà, donc là, Lily a eu le temps de se débattre et le trophée va tomber. Voilà, donc il fallait tout simplement prendre l'épée dans votre inventaire tout de suite et la mettre sur la langue de l'animal, le crocodile, pour que Lily se débatte et lui donne un coup d'épée. Et de cette façon, elle se libère de ce monstre et le trophée tombe pour vous être libéré de lui. Vous avez 5 secondes pour le faire. Vous avez pu apercevoir que je me suis loupé une fois. J'ai retenté une deuxième fois rapidement et le trophée, malgré tout, est tombé. Donc je pense que vous pourrez réussir tous du premier coup. Allez, on le suit. Il nous a dit de le suivre, donc on va rentrer à l'intérieur de ce nouveau bâtiment, crois. On avance, on récupère la gant qui est tout de suite à gauche. Il y a une gant au sol, couleur jaune et marron. Allez, on y va, on la ramasse, le gant qui est là. Voilà, donc on a un nouvel objet. Dans l'inventaire, on a le gant. Donc c'est très bien. Maintenant, on va tout simplement aller positionner le chapeau là où il y a la petite bébête qui vient de disparaître. Donc chapeau inventaire et on le positionne ici sur le piédestal. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre la gant ici. Hop, on prend la gant et on l'interagit avec la lueur bleue en haut, une espèce de cristal. Right.
Voilà, le cristal est dans notre inventaire. Maintenant, on va aller faire tomber un trophée. Il faut interagir avec la plante qui bave. Et la toucher 10 fois. Donc on y va, on va la toucher 10 fois. There was a large bulbous plant blocking a pipe at the top of the stairs. It felt like it was full of water. Donc on la touche 10 fois. Donc là, on touche, on appuie sur rond, on le fait 10 fois jusqu'à ce que le trophée tombe. On va aller récupérer le tournevis au sol et ensuite on revient ici. Donc on y va. Hop, il y a un tournevis par terre. Ah non, pas tout de suite le tournevis. Ok. Donc là, on appuie sur triangle. On appuie sur triangle, on prend le cristal et on le met sur la machine. On va récupérer le tournevis qui vient de jeter de ses mains. Donc on y va. On récupère le tournevis juste ici, il y a marqué croix, on ramasse. Et on va retourner près de la plante. Hop, on retourne près de la plante. On va utiliser ce tournevis pour tout simplement déboucher l'eau, hein, parce que l'eau ne veut pas sortir. La plante est gorgée d'eau, mais elle est comme bloquée. On va faire en sorte de déboucher tout ça. Pour remplir le bassin, il y a des touches là-bas avec le bassin. On interagit, on prend le tournevis et on le met sur la plante. Hop, grosse fleur. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on peut quitter. On va retourner près du bassin. Il y a un code, regardez bien, il y a le code avec la lettre L et deux boutons à l'extrémité gauche et haut droit. On n'interagit pas avec ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enclos. Là, il y a des codes juste ici. On appuie sur croix et on va entrer le même code qui était dans le bassin. Donc, on y va. Donc, on fait hop, on fait la lettre L. Et puis on appuie ici. Voilà. Petite cinématique. On va se retrouver avec Lily. Donc là, il y a une cinématique, on peut plus rien faire. On regarde, c'est tout. Voilà, donc on patiente. On se retrouve avec Lily, la petite aventurière. Hop, elle a été éjectée du monstre qui l'a avalée. Mais bon, il semblerait que les humains ne soient pas à son goût et qu'il n'en veut pas. Donc on suit le petit chemin, on va se retrouver avec un nouvel ami. Lily va se faire un nouvel ami, une petite chenille qui est toute mignonne et la pauvre, elle est attachée. On va la détacher. Petite cinématique. Hayden est en train de se rendre compte que il a finalement réussi à retourner chez lui, mais maintenant c'est sa petite fille qui est bloquée dans l'autre monde parallèle. C'est un peu Sliders, hein, ce jeu. No, no, no.
Il vient de lire la note et le cristal est brisé, donc ça va être difficile pour qu'elle revienne. Voilà la fameuse Nina, celle qui a envoyé des courriers à Arthur. Donc il semblerait qu'Aiden ne la connaît pas. Par contre, elle connaît très bien son grand-père. You have to help me bring her home, please! Oh my god! Come with me! We need to get to my lab! Hurry! But then he spat me out. He's probably not used to his food poking him with a sword. And then I saw you! Although, you already knew that bit. Elle vient de se faire un nouvel ami, il semble l'écouter attentivement, c'est mignon. Donc là, il s'appelle Bugsy. On va libérer Bugsy. Voilà, elle le libère, on va attraper la liane. La liane qui est ici. Hop. On va demander à Bessie de nous aider à monter en haut. Une espèce de plateforme. Donc on interagit avec Bessie. On appuie sur croix, on va lui parler. Hop, et puis on interagit ici. Une espèce de plateforme suspendue dans les airs. On va se jeter dans la gueule de la plante. Hop, on va tout au bout de l'extrémité. On appuie sur croix. C'est marrant parce qu'elle va revenir... au point de départ. On va aller près de Bugsy. En fait, la barrière, elle est entrouverte. On peut passer. Donc on va y aller. On va interagir avec la barrière. Le portail. Hop, on appuie sur rond. Il y a un nouvel insecte qui entre, une espèce de chauve-souris. On va la suivre. Il vient de voler un petit objet qui était sur la tête de Lily. Donc Lily va aller le récupérer. Donc on le suit. Mais il a disparu, il y a trois plantes, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est passé. Mais il y a une espèce de petit manteau par terre ici. Je ne sais pas si vous voyez, on appuie sur carré, on ramasse cet objet au sol, une espèce de preuve. C'est quoi? Ils appellent ça comment? Une fourrure de Birel, ok. Donc on va retourner vers Bugsy pour qu'elle sent cette fourrure, pour qu'elle trouve la plante par laquelle cet écureuil est rentré. Donc on appuie sur triangle, on fait fourrure et on interagit avec Bixi. Sens-moi ça, donc là elle va le trouver. On la suit. Les yeux qu'elle fait. C'est celle du milieu, la plante du milieu. On rentre dedans, on appuie sur croix, hop. Puis il y a un trophée qui va tomber. Et nous sommes au chapitre 13 sur 15, nous sommes bientôt à la fin. Ce chapitre a été inventé par moi, hein, les chiffres. Donc là, une petite cinématique. Donc à partir de moment, il n'y a plus vraiment de trophées liés au temps, à la rapidité, à une extrême rapidité. Donc là, on est plutôt tranquille, on appuie sur croix dès que possible.
Voilà, on y va, on appuie sur quoi maintenant, on attend qu'il se mette à marcher et on va appuyer à nouveau sur quoi pour qu'il monte à l'échelle. On va utiliser le masque pour effrayer le chat qui est accroché sur les plantes en haut. Ici, il y a un chat, on appuie dessus. Il vient de briser un pot et le pot contenait une clé, donc on la ramasse en appuyant sur carré. Cette clé, on va l'utiliser sur la grille. Donc, on va se mettre bien à l'extrémité ici. On va dans l'inventaire et on utilise la clé sur le cadenas qui est ici. Maintenant, cet objet qu'on vient de récupérer, le cadenas, on va le mettre sur la porte, la poignée de porte. On va ensuite ouvrir la grille pour que le chat puisse s'y faufiler à l'intérieur et effrayer le scientifique pour qu'il puisse ouvrir la fenêtre, tout simplement pour qu'Aiden puisse entrer. Parce qu'il doit rejoindre le laboratoire de Nina, mais il n'a pas l'autorisation pour rentrer, donc il essaie de se faufiler en douce à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, maintenant il a ouvert la fenêtre. Maintenant qu'il a ouvert la fenêtre, on va rentrer. On entre, on appuie. On appuie sur carré pour entrer par la fenêtre, par effraction, hein, c'est ce qu'il est en train de faire. On va ressortir. I'd made it into the canteen. The worker was still there, facing towards the lift. There's one of those new microwave. On va essayer d'interagir avec le four. Parce que le four est important, on va devoir l'utiliser après. Donc non, on ne peut pas interagir tout de suite, on va revenir dans quelques minutes ici. On va réinteragir avec le four après. Donc là, on va essayer de passer, mais il y a un oiseau, un pigeon, qui va nous bousculer vers le bas. Faire attention. Il va jeter une plume. On va récupérer cette plume et vous avez tout simplement besoin de récupérer cette plume. Voilà, tout de suite on interagit. Hop, on la ramasse, on appuie sur croix très vite. Vous pouvez le faire plusieurs fois d'affilée, hein, ce n'est pas un problème. C'est juste pour le speedrun qu'il faut essayer de réussir du premier coup. Maintenant, on prend la plume et on interagit avec le chat à l'extrémité en bas à gauche pour qu'il puisse effrayer le pigeon. Maintenant, on peut passer, on va vers le laboratoire de Nina. Hop, il va glisser, hein, je suppose. Et voilà. Il court plus vite maintenant. On va prendre tout de suite la première porte à gauche. On va passer les petits escaliers ici pour aller dans le laboratoire de Nina. On va interagir avec Nina qui va nous demander de récupérer un objet dans le four de tout à l'heure dont je vous ai parlé. Donc on interagit avec Nina. Voilà, a besoin de quelque chose, un magnétron. Voilà, il est dans le micro-ondes à l'étage, donc c'est là où je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on doit refaire demi-tour, on va prendre l'ascenseur. Donc on y va, on quitte, on fait rond, on va prendre l'ascenseur tout au bout. Donc on avance. On appuie sur croix, on va interagir avec le micro-ondes. Le four à micro-ondes. Oh, hey, Jerry. Allez, on avance. On interagit avec la touche carré pour prendre le magnétron. Voilà, maintenant on quitte par la fenêtre. Hop, on ferme l'inventaire, on appuie sur croix pour passer par la fenêtre. Là, il y a un trophée manquable maintenant. Tout de suite, il va falloir essayer de faire tomber le magnétron dans le vide, dans la cascade. Donc, tout de suite, on prend triangle. On prend le magnétron et on le jette ici.
hauteur terrifiante pour le trophée manquable. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va tout simplement vers le laboratoire de Nina. On interagira avec elle et une cinématique se déroulera. Le chat qui se met à rôter. On retourne dans le laboratoire de Nina. On va lui donner le magnétron. Voilà, on fait triangle, magnétron, et on fait en sorte qu'il y ait bien marqué Nina, et on lui donne. Elle va ouvrir un portail de téléportation pour que Aiden puisse retourner dans le monde parallèle. But with this, we should be able to tear open a new gateway right here. Thanks. Voilà, donc on va y aller, on va entrer dans le passage de téléportation. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on doit faire en sorte que Aiden s'y rende. On interagit avec Croix. Be careful. Donc là, on va remonter le chemin pour enclencher une scène. Give me that. Allez, on y va, on monte. On suit le chemin. Donc là, une petite cinématique où elle est en train de voir la tombe de son papy, son grand-père qui est décédé. Donc voilà, c'est une cinématique. Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Juste patienter et regarder ce qui se passe. On va aller suivre le sosie de Lily. C'est pas vraiment Lily qui est là, mais on la suit. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait le monstre mère, l'antagoniste, hein, le personnage méchant du jeu qui était en haut en train de regarder Aiden traverser le portail de téléportation. Donc je suppose que ça va mal finir. Donc voilà, donc c'est pas vraiment Lily. Donc là on est à la fin, c'est la partie 15 sur 15, donc c'est terminé le chapitre. Quelques actions encore à faire et nous avons terminé bientôt le speedrun. C'est un gentil petit monstre, il dépose une petite fleur. Il est mignon. Voilà, donc ils sont réunis. Ah, une petite illusion. On va utiliser Bugsy pour monter ici. Mais il faut d'abord que son père fait en sorte... Donc on va appuyer sur carré, sur son père pour qu'il l'éloigne. Il attire son attention. Voilà, donc maintenant on utilise Bugsy pour monter sur le rubber. Voilà, donc son père vient de faire diversion, donc on peut monter. On va grimper tout en haut maintenant. On va utiliser la corde. Dans notre inventaire, on a une liane. On va la mettre sur la tête du monstre.
On va demander à Buzzy de prendre la corde. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va appuyer sur carré pour que son père puisse l'attraper. On appuie sur rond, on prend la liane et on l'utilise sur l'espèce de pic en béton. Et Lily essaie de la pousser, son père va essayer de venir pour la pousser également. Et voilà, c'est la fin. Plus beaucoup d'actions à faire maintenant. Lily va descendre également. What are you doing here? Are you okay? I'm so worried. I was looking for you and Granddad. Lily, Granddad. I know. Can we go home now? Wait. Mer, he stole the glove. We needed to get home. Come on, quick. We can't get stuck in this place. Allez, on suit son papa. Donc son père va pourchasser Mère et Lily également. Sauf que Lily n'a pas de grandes jambes. Bah, son père non plus, hein. Mais bon, elle est un peu lente à la détente, donc ils sont séparés à nouveau. Donc voilà, nous on va faire quoi? On va pas rester là, hein. On va monter, on va entrer en haut par la porte, on appuie sur croix. Et on va voir ce qui s'y passe. On va regarder dans le bassin, on peut avoir un aperçu de ce qui se passe. On appuie sur croix et on regarde la télé. Il y a une cinématique. Le chien vient à la rescousse, c'est magnifique. Avec la petite chanson et tout. Mais non, malheureusement, il n'a pas réussi. Alors on va aller tout simplement interagir avec Logan, on appuie sur rond. Donc là, on vient d'entendre Nina au téléphone, hein, espèce de radio. Donc on va interagir avec le gant dans l'entrave ici. Hop, on appuie sur rond. Et puis on quitte les lieux. On descend tout en bas. On ferme l'inventaire et on descend en bas. Voilà, c'est fait. Donc là, c'est la fin maintenant. Il n'y a plus grand-chose à faire, je suppose. Je crois qu'il y a le monstre encore. Qu'il va falloir interagir avec le monstre. Donc on suit le chemin. On va aller près du monstre et on va mettre le gant sur l'odeur du monstre. Donc on va dans l'inventaire, on prend le gant et on le met ici sur dans le gaz.
Il va ouvrir un portail. On va interagir avec la touche croix. Mais elle n'arrive pas à monter, elle est beaucoup trop petite. Ses amis monstres vont l'aider. Finalement, il n'est pas méchant, le crocodile. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et voilà, les téléporter, c'est super. En fait, ils sont super adorables. C'est uniquement la créature qui veut retrouver sa famille. Mère, qui est plutôt méchante. Pas vraiment méchante non plus, mère. Parce qu'il se sent seul. Voilà, donc c'est la fin maintenant, c'est la cinématique, donc j'espère avoir obtenu le trophée speedrun et le platine en une run. Mais c'est pas vraiment fini, puisque je devrais recommencer une deuxième partie pour utiliser les Solus, donc on retournera dans le jeu. Donc on devrait avoir un total de 4 trophées qui vont tomber à la suite. Celui avec le speedrun, si j'ai bien terminé en moins de 1 heure. Je pense que oui, hein, je pense que j'ai pris moins d'une heure pour faire ça. C'est plutôt rapide. Donc voilà, c'est la fin, donc lié à la fin. Et pour ne pas avoir utilisé de Solus, hein, aucune Solus. Et encore un trophée pour l'avoir. Ah bah voilà, j'ai terminé le jeu en moins de 1 heure. Petit speedrun, donc c'était très rapide. Vous faites pause et le trophée tombe vite. Maintenant, il faut recommencer une nouvelle partie. Tout simplement parce qu'il faut utiliser un indice. Il y a un trophée qui demande d'utiliser au moins une fois un indice. Donc je vais aller dans les trophées pour voir ce qu'il me manque. Donc il me manque. Quoi? Ok, j'ai tout. Il me manque demander une solution. Il ne faut pas se débrouiller tout seul. Ok, pour obtenir le platine. Donc on y va, on fait retourner au menu et on fait une nouvelle partie. Nouvelle partie, oui. Parce que si vous faites continuer, vous allez vous retrouver à la fin du jeu. Et il est impossible d'utiliser une soluce. Donc voilà, donc on attend là que la cinématique se déroule. Donc là, on recommence une nouvelle partie pour demander une indice. Cette fois-ci, on va vraiment utiliser les notes. Dans la première partie, il était interdit de le faire, mais dans cette deuxième partie, il est recommandé de le faire. Donc on va le faire tout de suite pour faire tomber le platine. Donc on y va, on attend que les cinématiques se déroulent. Voilà, on y va, on fait triangle, et là on va aller dans notes, et il y a marqué je dois m'habiller sans réveiller Lily, et on appuie sur indice. Solution, une chemise sera un bon début, on appuie sur croix pour obtenir la solution, cliquez sur la chemise sur le sol, et voilà. Donc le trophée est tombé, et le platine avec. J'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment facile, le speedrun en 1 heure, faites pause et vous avancez tout doucement, mais en faisant pause, vous regardez bien ce guide et vous aurez terminé sans trop grande difficulté. Ce qui pose problème, c'est ces trophées où vous devez réussir en moins de 3 secondes. C'est un peu exagéré et qu'il n'y a pas de chapitre, sélection de chapitre. Donc, vous devez utiliser la soluce de Sony de stockage en ligne pour mettre la sauvegarde, le déplacer et revenir dessus. Donc, je vous dis bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon speedrun, à bientôt, salutations, merci à vous.